Hé, hey, regardez. Machinra? Je les vois nulle part. Il a pas eu de chance, lui. Regardez, c'est quoi là-bas? La ville forteresse de la Shinra, Junon. Allons-y. Qu'on a vu tout à l'heure. D'où est-ce qu'il a pu venir? On m'a parlé d'un vieux réacteur sur une île. Et un condor géant en aurait fait son repère. Je ne sais pas si cette histoire est vraie. Mais en tout cas, je ne connais aucun moyen d'aller sur cette île. Bien fait pour la Shinra. Ça leur a... Sur une île? Je vois. On n'y peut rien, alors. Ouais. Mieux vaut aller à Junon.
un autre ranch à Chocobo? Je me demande où se cache le propriétaire. Notre boutique est ouverte et vous accueille avec le sourire. Si seulement Gabe pouvait retrouver l'envie de travailler. Vocale programmée par le docteur Chadley pour vous renseigner sur les créatures dangereuses.
Désormais, je vous aiderai, vous et vos compagnons, dans votre lutte contre les bêtes féroces. Je détecte justement la présence d'une créature singulière un petit peu plus loin. Je vous serai reconnaissante si vous acceptiez de collecter des données sur cette espèce pendant votre combat, Cloud. En tant que guide, je reste bien sûr à vos côtés. Nous allons former une super équipe. Je flaire un danger. J'ai identifié une espèce rare de Zemzelet. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Les Zemzelet sont surnommés les sages des vents. Grâce à leur grande intelligence et à la qualité de leur plumage, ils savent exploiter les courants aériens comme personne pour se saisir de leur proie. Leurs plumes sont non seulement belles, mais aussi robustes, ce qui explique leur utilisation dans de nombreux produits à travers les époques. Les flèches fabriquées avec les ailes de cette sous-espèce rare étaient particulièrement appréciées. On raconte ainsi qu'elles font de l'air solide et qu'elles sont brisées des rochers. Alors je vous laisse surtout pas endormir par leurs plumes, pour des bons et laisser des plumes. Thank you.
maintenant. Ça va faire ça va. Un petit village sous la ville citadelle. C'est sous Juno, un modeste village de pêche. Ces enfoirés de la Shinra, faut toujours qu'ils se placent au-dessus des autres. C'est partout pareil. Thank you.
Attendez un peu. Bienvenue à Sujuno, le village où le soleil ne brille plus. Je m'appelle Rhonda. Je suis le maire et la chef de la milice. Avalanche. Et si c'est le cas, tu vas faire quoi? Déjà, je pourrais vous dénoncer à la Shinra. Ça me ferait 100 000 guilds, rien que pour toi. Tu sais, si j'étais toi, je crois que je m'abstiendrais. Iris, n'est-ce pas? Toi, c'est 500 000 guilds. Tant que ça? Heureusement, je suis plutôt douée pour fermer les yeux. Vous n'avez donc rien à craindre de moi. T'essaierais pas de nous tendre un piège, là? Renseigne-toi sur notre histoire. Tu verras bien que c'est pas le genre de la maison. Si vous êtes pas content, fichez le camp. L'auberge est par là. On y voit rarement des clients. Il n'y aura donc personne pour vous déranger. Au secours! S'il vous plaît! C'est une question de vie ou de mort! Je vous en prie, venez vite! Viens! Max! Viens!
essayons la magie. À toi de t'en occuper. Au secours! Au secours!
te laisser comme ça. À toi de jouer. Je vais me recruter.
Ça va.